Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Spiral Football. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Vous pouvez dès à présent liker la vidéo, partager, vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche. Ça, c'est le Shot F7 VTD Pro et aujourd'hui, je vais vous le faire découvrir en détail. Avec son look à part, il renferme tout le savoir-faire de Shot, société fondée en 1935. Il existe deux modèles de F7 VTD, le Pro et le Collégiate. La différence entre les deux modèles se situe au niveau de la grille. Pour le Pro, elle est en titane, 60% plus légère. Pour le Collégiate, elle est en carbon steel, en acier carbone. L'autre différence se situe au niveau de l'attache. C'est une attache rapide pour le Pro. C'est une attache classique pour le Collégiate à vis. Mis à part ces deux différences, le modèle Pro et Collégiate ont les mêmes caractéristiques techniques. Ils sont livrés tous les deux avec une mentonnière Hard Cup Shot Elite. Tout d'abord, la coque. Elle est en polycarbonate. Elle se distingue par sa forme dans les endroits les plus exposés au choc, avec, sur le côté, des zones de résistance à la flexion qui améliorent le renfort global et la durabilité de la coque. Ces caractéristiques techniques de conception améliorent l'absorption des chocs et permettent d'augmenter l'efficacité du TPU à l'intérieur de la coque. Ce qui intrigue dans ce casque, ce sont les Tectonic Plates, intégrées de manière stratégique dans les zones de casque qui reçoivent le plus grand nombre d'impacts. Les plaques tectoniques et le rembourrage en TPU améliorent la performance du casque contre les forces de rotation et ajoutent une couche supplémentaire à l'absorption des chocs du casque. Maintenant, passons à l'intérieur du casque. Shot ont été les premiers à supprimer les mousses à l'intérieur du casque pour les remplacer par un rembourrage en TPU. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que le TPU? Il fait partie d'une classe de plastique, le polyuréthane thermoplastique, ayant de nombreuses propriétés. Ici, sa forme et sa densité lui permettent d'offrir une forte absorption à l'impact à grande vitesse, mais aussi à plus petite vitesse, les plus fréquents, et par toutes les températures. De couleur bleue dans le F7 VTD, il est positionné à l'intérieur du casque, sur le dessus, le front et les parties latérales du casque. Pour plus de confort et de protection, un liner est positionné sur le TPU. C'est le Radiant Diffusion System Liner. Cette doublure bouge indépendamment du TPU et de la tête, ce qui permet d'améliorer les performances du casque contre les forces de rotation, en permettant à la tête de se déplacer légèrement à l'intérieur du casque. Ceci contribue à réduire les mouvements de rotation répercutés sur le cerveau. Le liner comprend de nombreux pots gonflables, vous offrant un ajustement parfait. Pour améliorer le positionnement et l'ajustement du casque sous votre tête, Shot a créé les HSS, Helmet Stabilisation System. Il se compose de trois parties. Les Geopads, protection de la mâchoire, plus large et plus confortable, qui encadre votre visage et crée un ajustement sûr à l'intérieur du casque, en augmentant la zone de contact. La mousse, performante à l'impact, est enveloppée de cuir synthétique doux et confortable. Les stabilisateurs internes et externes renforcent les protections de la mâchoire et de l'oreille. Chaque casque est livré avec deux tailles de Geopads pour un ajustement personnalisé. Le casque Shot F7 VTD existe en 5 tailles, S, M, L, XL, XXL. Pour résumer, le casque Shot F7 VTD peut être livré avec une grille en titane, ce qui lui permet d'avoir le poids réparti sur le dessus de la tête. Les Tectonic Plates apportent une absorption des chocs supplémentaire. Le TPU à l'intérieur vous permet une meilleure absorption des chocs. Merci d'avoir suivi cette présentation et je vous laisse sur quelques images que j'ai tournées lors de ma visite des usines Shot aux États-Unis. À bientôt.